frères et mes Seigneur. Que les Seigneurs puissent nous parler et nous assister en toutes choses. Il est écrit, l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est le Seigneur qui fait l'un et l'autre. Que le Seigneur puisse nous donner l'œil et l'oreille spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Prions dans le Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, toi le Dieu véritable. Personne n'est comme toi, ô Dieu. Nul n'était comparable, Seigneur. C'est toi le véritable enseignant, ô Jésus. Viens-nous en aide, et notre Dieu, ce soir, ô Jésus. Purifie-nous, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Sois consolation, ô Dieu. Seigneur, ne nous regarde pas par nos fautes, ô Dieu. Mais Seigneur, qu'il te plaise d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir ton cœur et de nous parler ce soir, ô Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, demandé grâce. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Nous remercions d'abord le Seigneur Jésus pour la grâce qu'il nous a faite encore ce soir et nous présenter au devant de lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous tenons aussi à demander pardon à l'Église de Dieu. Pour les retards que nous avons concédés. Que le Seigneur nous pardonne et vous aussi pardonnez-nous. Encore une fois, que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous. Je crois que la joie du Seigneur est au milieu de nous. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le Dieu véritable, le Dieu éternel. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous prenons notre texte. Nous prenons 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À cause de cela, faites de tous vos efforts à joindre votre foi à la vertu, à la vertu, la science. Nous prenons Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, avec toi mes préceptes, si tu rends ton
attentive à la sagesse. Et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu la cherches et si tu la poursuis comme un trésor, alors et tu trouveras Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et sa sorte la connaissance et l'intelligence. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute l'explication à cette écriture. Le Seigneur ajoute l'explication à cette écriture. Le véritable enseignant, comme nous le disons toujours, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui vous donne même l'entendement qui est spirituel pour connaître ces choses. Et c'est lui Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur les choses conformes à la sainte doctrine. Les choses conformes à la sainte doctrine. Et nous parlons de la pierre à sept yeux, ou bien les sept yeux de la foi. La semaine passée, nous avions parlé de la foi. On avait dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Selon l'écriture de Romains, chapitre 10, le verset 17. Amen. Donc c'est la parole de Christ. Lorsque tu l'écoutes, lorsque tu crois en elle, alors tu as la foi. Et cette foi, c'est le prix même de ton salut. On avait dit que du temps de la loi, il n'y avait pas la foi. Le peuple était dans l'incrédulité. La loi qu'ils écoutaient ne pouvait pas leur donner la foi. Amen. La loi qu'ils écoutaient ne pouvait pas leur donner la foi. Mais la parole de Christ, la parole que nous écoutons au temps présent, c'est la parole qui nous donne la foi. Et le salut de Dieu, c'est au prix de la foi en Jésus-Christ. On avait dit qu'on a la foi, cela veut dire qu'on devient plus stérile. Tu ne demeureras plus. Non, l'issue sous terre. Parce que du temps de la loi, le peuple était stérile. Du temps de la loi, le peuple était stérile. Donc il
ne manifestait pas les œuvres de Dieu. Leur justice devant Dieu était un vêtement souillé. En d'autres termes, ils n'étaient pas agréés de Dieu. Mais pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. C'est pourquoi on dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, comme il n'avait pas la foi là-bas, cela veut dire qu'il n'était pas non plus agréable à Dieu. C'est pourquoi on avait parlé de la vertu.
On avait dit que la vertu, c'est comme la bonté. Oeza malam, vertu c'est qualité. On avait dit que ce sont des qualités. Et dali ba bolamu, ba bolamu ça veut dire comme des bontés. Ah ah, c'est ça, c'est une qualité. Ma copie ya malam. On avait dit que quand on a la foi, on doit manifester la vertu ou les vertus. On avait dit que ce sont les œuvres aussi de la foi. La vertu, c'est les qualités. Donc comme des mérites. Donc quand quelqu'un a la foi, la foi ne les laisse pas stériles. On avait pris quelques cas de les vertus. On avait pris par exemple Ruth la Moabite. On témoigne en sa faveur. Elle était une femme vertueuse. Amen. Quelle était sa vertu? Elle avait refusé sa patrie. Elle avait refusé ses parents. Elle avait refusé ses dieux. Et elle s'est attachée à Naomi. Cette loyauté-là. Dans cette loyauté-là, on a appelé ça vertu. C'est pourquoi j'avais dit, il faut avoir des vertus comme des valeurs. L'évangile éternel ne prêche pas seulement des choses difficiles. Mais l'évangile prêche aussi des valeurs. Une personne qui a raté des valeurs avant qu'il ne vienne à l'église, s'il vient à l'église, cette personne va retrouver les valeurs qu'elle avait perdues là-bas. Elle ne vient pas pour s'empirer ici dans l'église. Amen. Amen. Parce que l'évangile prêche les valeurs. L'hospitalité. Surtout les femmes. L'hospitalité. On ne doit pas être des égoïstes. Des gens qui ne voient que leurs propres intérêts. Non. Tout ça, ce sont des valeurs aussi en Christ Jésus. Amen. Des valeurs en Christ Jésus. Tous ceux qui méritent l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Tout ce qui est vrai. Soit l'objet de vos pensées. Amen. C'est ce qu'on a appelé vertu. Un frère m'a posé la question hier. Je lui ai reproché parce que je l'avais vu avec un trait ici à la tête. Mais il passe devant les gens en train de chanter. Je lui dis, toi tu es pasteur, pourquoi tu fais ça? Il suivait un serviteur de Dieu aussi de Kinshasa.
s'était fait un long trait sur la tête. Il m'a dit, donne-moi l'écriture. On interdit ça. Il pensait que je n'avais pas l'écriture. Mais il pensait aussi que j'allais lui montrer seulement l'intérêt sur la tête. On lit pas la Bible comme ça, frère. Je vais donner Philippiens 4, le verset 8. On dit tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vertueux. Tout ce qui est pur. Tout ce qui mérite l'approbation. Je sais ce que tu as fait à la tête là. À part moi qui te reproche. Non, à part moi qui te reproche. Les gens ne te parlent pas. On envoyait, c'est par rapport à la société. Il y a un autre frère qui est là.
wana, il va faire ça, ça. Akosala, ikambo, oyo, c'est oyo. Comme ça que dans la Bible, on a appelé les gens des femmes vertueuses. Ils n'étaient pas des gens de vertu sans les œuvres. Non. Et nous aussi, on doit aussi chercher à être comme ces gens-là. Et c'est parce que les témoignages subsistent encore. On a par exemple un problème d'électricité à l'église, ça ne va pas. Avant d'appeler les électriciens dehors, nous connaissons déjà qui est en train de s'aimer pour faire ça. Si l'église est remplie de gens de vertu, nous allons nous inquiéter de rien, presque de rien. Ça, c'est vraiment l'enseignement pratique. Ici, je ne suis pas d'accord là-bas. Non. Parce que tout ce que nous vous présentons, c'est résumé dans les sept choses. Les résumés. Et beaucoup c'est loco. Tout ce que nous vous prêchons. Oh non, c'est seulement c'est cette chose. Et d'aller du loco sambo. Vous prêchera. Attends, les 70 semaines. Les 7 sauts. Tu vas le faire entrer seulement dans la connaissance. Wana, tu vas faire entrer ça dans la patience. Parce que ça va parler aussi des choses à venir. Nous attendons aussi. Parce que ça va parler même de la patience. Vous allez voir qu'on parle de la patience par rapport à la promesse. Ce n'est pas d'abord que tu as besoin de quelque chose qui est urgent. Ces gens-là. Ah,
toi, que tu sois une sœur, une maman ou un jeune frère. Et c'est la pédale, ils na tu dois avoir ça en toi. Et Seigneur, il y a un la carte. Amen. Ah. Tu dois avoir ça en toi. Et Seigneur, il y a un Paul. Thomas Paul. Les frères de Galates. Na bande de Galates. Il l'aimait à tel point que si c'était possible. Et à Baba Naï Polingaye, à ta soeur, pour qu'il puisse arracher leurs yeux comme ça et lui donner. Parce qu'il avait yeux. Oui, ils étaient scellés pour les hommes de Dieu. Pour Namasali Nazaré. C'est ça aussi la vertu. Et après, on ne peut pas être dans une église. Donc, on peut être dans une église. On parle des serviteurs de Dieu. Oh, Bazal, on peut la pointe à Massali Nazaré. Vous voyez les femmes amorphes. Au moins, il peut la passer par comme le roi de Makoufi. Ayez de la considération pour vos conducteurs.
Amen. Amen. Je parle de ça dans le cadre des vertus. Je vais exciter vos bonnes œuvres. Parce que ces choses ne se manifestent pas en vous. Tu es un mauvais chrétien. Vous voyez même les gens qui d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment besoin que tu leur parles directement de la grande connaissance que tu as. Quand ils sont témoigné, les premiers chrétiens, on ne les avait pas prêchés. Ils les avaient seulement vu comment ils faisaient les choses, comment ils passaient. Amen. Ah. Et c'est ce qui doit être en nous. Quand tu as des vertus comme ça. Parfois ça fait honte. D'aller chercher les bonnes œuvres chez les gens dehors. Et surtout quand on est conducteur. Si tu voulais la chose aux aliments calme, mon temps ici. Arrête. Tu peux mettre le stop comme ça. Surtout quand tu es conducteur.